la brasserie ce midi. Les buveurs restaient immobiles et silencieux. Peut-être la moiteur de l'air ou la lourdeur des temps. Ce soir, après le boulot, je lis sur Facebook la chronique d'André Markovics à propos de l'Ukraine. Est évoqué ce gars qui dit avoir coupé l'oreille d'un homme. Continuer, sans oser nommer ce dans quoi on s'enfonce. Mai 22.